Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu, nous allons commencer à parler des sacrements. Nous devons adopter les catéchèses à nos dieux, étant donné qu'on ne peut pas se réunir ces derniers temps à cause de la pandémie. Mais sinon, c'est quand même important que nous considérons et déjà que si Dieu le permet, quelques d'entre vous vont pouvoir recevoir aussi les sacrements avant la fin de l'année, si Dieu le permet. Donc, j'aimerais bien que nous commencions à parler un peu des sacrements, non? Qu'est-ce qu'un sacrement? Parce que si nous sommes en train de faire la catéchèse, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin d'un des sacrements, ou tous les sacrements, en commençant par le baptême. Ou bien certains ont déjà reçu le baptême et la communion et demandent de recevoir la confirmation. Alors, c'est aussi important alors que nous méditons sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour que ce ne soit pas juste quelque chose de mécanique que nous voulons le faire parce qu'on sait qu'on doit le faire. Oui, mais quelle est l'importance donc de recevoir les sacrements? Pourquoi désirons-nous recevoir les sacrements? Qu'est-ce qu'il y a que les sacrements vont avoir pour changer ma vie? C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il y a de si important dans les sacrements que je dois les recevoir? Comment est-ce que ça doit changer ma vie? Non? Parce que sinon, si on passe juste à la catéchèse, parce que nous devons faire la catéchèse sans méditer sur ce que nous faisons, c'est ce qui se passe, non? On termine avec la catéchèse et ça y est, on a reçu les sacrements. Ok. Parfois, on ne parle même pas à la messe le dimanche. Donc, ça, en quelque sorte, on va dire, mais celui-là, quelle catéchèse est-ce qu'il a fait? Ou celle-là, quelle catéchèse est-ce qu'elle a fait? Si dès qu'on termine la catéchèse, déjà, ça y est, on vit comme on veut. Non? Alors, il est important de noter donc que les sacrements sont donc un peu, comme on peut dire, le fondement de la vie chrétienne. Non? Les fondements de la vie chrétienne. C'est-à-dire, toute notre vie chrétienne tourne sur les sacrements. C'est le fondement, c'est la base. Non? Toute notre vie chrétienne est basée sur ça, sur les sacrements, sur la vie sacramentelle. On va donc voir qu'est-ce que c'est que ces sacrements-là qui sont si importants de telle manière que ça constitue le fondement. C'est une parole très forte, non? C'est-à-dire, si nous sommes des chrétiens, nous voulons vivre en chrétien, mais nous ne vivons pas une vie sacramentelle, ça veut dire que notre foi est vaine, non? Comme le dit Saint Jacques, apôtre, non? Si tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres, en quoi est-ce que ça sert? Ça ne sert à rien. Donc notre vie chrétienne est fondée sur les sacrements. Donc si nous croyons au Christ, nécessairement nous devons croire à la puissance, à la force des sacrements qui ont été institués par le Christ. Parce que nous ne pouvons pas dire je crois en Dieu et après renier tout ce que Dieu nous enseigne. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi dans ça. Mais si nous disons je crois en Dieu, donc nécessairement toute notre vie doit refléter notre croyance en Dieu. Et donc une des premières choses, sincèrement, et les plus, c'est au moins les 10 commandements. Non? Essayer de vivre le mieux que nous pouvons les 10 commandements et essayer de mieux vivre, de pénétrer chaque jour de plus en plus la vie sacramentelle. La vie sacramentelle. Parce que c'est ce que Dieu a voulu, c'est ce que Jésus a voulu. C'est ce que lui-même il a institué, lui-même il a donné à ses apôtres pour qu'ils aillent et fassent des disciples de toutes les nations. Donc si nous voulons être de ces disciples de toutes les nations qui appartiennent au Christ, alors nous devons nous efforcer à vivre une vie sacramentelle, une vie qui est basée, qui est fondée sur les sacrements. Et c'est ça la vraie vie chrétienne. Non, vous-même, vous connaissez des gens qui disent, je suis chrétien, ils ne partent pas à la messe le dimanche. C'est-à-dire, quel chrétien? Hein? Ils disent, je suis chrétien, mais et je suis chrétien, mais moi, je crois que moi, la confession, je le fais, la confession interne avec mon Dieu, parce que je ne suis pas d'accord qu'on doit aller se confesser chez un prêtre.
Ok, mais si tu te dis chrétien et croyant et baptisé, qu'est-ce que l'Église enseigne? Si tu crois en Jésus qui a fondé l'Église et qui a institué les sacrements, dont le sacrement de la pénitence, de la confession, car il a dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Bon. Qu'est-ce que tu crois alors? Est-ce que tu crois vraiment au Christ? C'est ça la question, non? C'est ça que chacun d'entre nous doit méditer et chacun d'entre nous vraiment doit dire qu'est-ce que je suis en train de faire, hein? Méditer sur ce qu'on fait parce qu'il est important que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Le plus nous sommes conscients de ce que nous faisons, le plus notre vie chrétienne va avoir de la force, non? De beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Le plus nous sommes conscients, mais si on fait seulement quelque chose mécaniquement, c'est-à-dire on fait juste parce qu'on voit les autres qui le font, là, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, les sacrements sont les fondements de la vie chrétienne. Non? Et le sommet, non? C'est-à-dire le sommet de la vie chrétienne, c'est donc cette perfection dans la charité. Non, on dit la perfection dans l'amour, c'est ça le sommet de la vie chrétienne. Qu'est-ce que nous aspirons? Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour souffrir, c'est tout? Non. Nous avons été créés pour aimer, pour connaître Dieu, pour le servir, afin d'être au ciel avec lui. C'est-à-dire notre but, le but de notre existence est quelque chose de surnaturel, de vivre pour toujours avec Dieu. Et donc, si je vais vivre pour toujours avec Dieu, déjà sur cette terre, je dois commencer à participer avec lui. C'est-à-dire, je dois déjà commencer à avoir une relation d'amour avec Dieu. Et donc, cette relation d'amour avec Dieu commence par les sacrements, hein, plus précisément le baptême, et s'achève aussi dans les sacrements. Si Dieu le veut, le jour de notre mort, il y aura un prêtre présent pour nous confesser, pour nous donner l'onction. C'est-à-dire, c'est donc le sommet de la charité. Mais cet amour, cet amour du Christ, cette relation que nous commençons, elle est gardée, elle est, comment est-ce qu'on peut dire? Elle est entouré par la vie sacramentelle. Donc, si nous voulons garder cette relation d'amour, nécessairement, nous devons vivre une vie sacramentelle. Si je pêche, je commets du tort, j'offense celui que j'aime, hein, le Christ, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon. Si j'ai besoin d'aide parce que je suis faible pour la route, qu'est-ce que je fais? Il me nourrit de son corps et de son sang. Donc, c'est toute une vie, c'est toute une vie. Hein? Alors, donc, pourquoi est-ce que les sacrements sont si importants et même pas seulement importants, sont nécessaires pour vivre une vraie vie chrétienne? C'est parce que par les sacrements, nous recevons la grâce de Dieu. Nous recevons la grâce de Dieu. Et cette grâce, donc, qu'est-ce que c'est la grâce? Quand je dis la grâce, ça c'est tout un autre thème, non, de catéchèse. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais pour vite et donner une petite définition, la grâce, c'est la participation de la vie divine. C'est-à-dire, quand je dis je reçois la grâce, je suis en train de dire que Dieu me donne sa vie. Non? Il m'admet à son banquet. Il me donne part à ses bienfaits. Donc, il me donne part à son banquet. Imaginez-vous. Donc, par les sacrements, nous recevons la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est la vie même de Dieu que nous recevons en nous. C'est sa vie que nous recevons en nous. C'est pour cela que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons tous été créés. Tous les hommes, peu importe la religion, nous dépendons de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Il a un plan pour chacun d'entre nous.
Mais personne ne peut s'appeler fils de Dieu tant qu'il n'est pas baptisé, tant qu'il ne reçoit pas cette grâce, cette vie que Dieu nous donne par les sacrements. Et le premier de tout, le baptême qui ouvre un peu les portes aux autres sacrements. Ok? Donc, la grâce, donc, c'est la participation de la vie de Dieu. Et Dieu, notre Père, nous donne part à sa vie. Un peu comme un père biologique nous donne part à son héritage. Hein? Alors, Dieu, notre Père, nous donne part à sa même vie. Alors, et pour vite définir qu'est-ce que c'est qu'un sacrement, je peux dire que un sacrement, hein, selon la définition de Saint Augustin, un sacrement est un signe sacré. C'est un signe sacré, un signe sensible, institué par le Christ, par lequel nous recevons la grâce. Donc, voyez un peu cette définition. Un sacrement est un signe sacré, c'est-à-dire une représentation visible de la grâce invisible. C'est quelque chose de visible qui nous représente, qui nous fait présent, hein, une grâce invisible. Parce que la grâce, on ne le voit pas. Hein, comme on ne voit pas Dieu, aussi la grâce, sa vie, on ne va pas la voir avec les yeux. Hein. Donc, mais par les sacrements, c'est donc un signe visible qui représente cette grâce. Hein. Visible, sensible, institué par le Christ, institué par le Christ. Et à travers lequel dont nous recevons grâce, la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Alors nous avons dit que le sacrement est un signe sacré. Je donne un exemple, par exemple, et l'eau, non? L'eau que nous utilisons au baptême, non? Et alors, c'est un signe sensible. L'eau, nous avons l'eau chaque jour, nous buvons l'eau, nous nous lavons. Bon, dans le sacrement du baptême, non? L'eau lave, l'eau nettoie, l'eau purifie. Donc c'est quelque chose de sensible avec lequel nous sommes habitués, mais qui, donc, dans ce sacrement du baptême, par cette eau unie avec les paroles que le prêtre prononce, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous recevons la grâce de Dieu. Donc ce signe visible de laver représente donc nos péchés qui ont été lavés. Nous sommes purifiés de nos péchés, purifiés de nos péchés. Non? Donc, un signe visible, sensible, mais qui représente une grâce invisible. Non? Que nous avons été purifiés par le Christ. Nos péchés ont été pardonnés, ont été lavés. Aussi, j'ajouterai, non? Les sacrements contiennent la puissance du Christ. Dans les sacrements, il y a la puissance du Christ qui est voilée, donc cachée, par des signes visibles. Donc, c'est la puissance du Christ cachée par des signes visibles qui réalise invisiblement le salut. Donc, pour vivre une bonne vie de sacrement, c'est pour cela que j'ai commencé à dire, nous devons avoir la foi. Hein? Parce que bien sûr que si je n'ai pas la foi, je ne vais pas voir la grâce qui va descendre du ciel et entrer dans la personne qui est baptisée. Je ne veux pas voir les feux de l'Esprit Saint qui vont descendre du ciel comme le jour de Pentecôte, que c'était visible. Donc, je ne vais pas le voir. Mais sinon, je crois. Je crois. Donc, là, il faut aussi de la foi. Parce qu'on dit, la puissance du Christ est contenue dans les sacrements, voilée, cachée par des signes visibles, mais ces signes visibles réalisent invisiblement le salut. C'est pas les sacrements que nous sommes sauvés. Non? Et bon, nous avons dans la Bible quelques exemples, non, de comment Jésus lui-même s'est baptisé. Non? On a son baptême dans le Jourdain. Et son discours sur le pain de la vie,
Et la dernière scène, lui-même, il a donné son corps, son sang. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons la Pentecôte où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Nous avons les nombreuses guérisons et le réconfort que Jésus a donné à tant de malades. Nous avons la mission qu'il a donnée à ses apôtres, non? D'aller, c'est-à-dire pour le sacrement de l'ordre, non? Institué par le Christ, parce que c'est lui qui a voulu qu'il y ait des apôtres, des disciples qui continuent sa mission sur la terre. Ou bien encore, nous avons dans la Bible, quand il pardonne les péchés des multitudes, hein, il dit, tes péchés te sont pardonnés, va, ne pêche plus. Ou bien encore, quand il donne l'ordre à ses apôtres, non? Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Hein? Donc, le pouvoir de pardonner les péchés. Ou bien encore aux noces de Cana, non? Son premier miracle, c'était dans un mariage. Donc, Jésus sanctifie le mariage. Et lui-même, il a choisi de naître dans une famille. Un père, une mère. Hein? Son père adoptif, Saint Joseph. Mais lui-même, il a voulu naître dans une famille. Bon, tout ça montre vraiment et la volonté, l'intention du Christ d'instituer les sacrements, non? Et tout cela, il a perfectionné sur la croix. On dit, c'est de la croix que jaillissent les sacrements de l'Église. C'est du côté percé du Christ sur la croix par la lance que jaillissent les sacrements de l'Église, non? C'est ça qui donne vie aux chrétiens. Parce que nous avons été sauvés par le sang du Christ. Par le sang du Christ. Alors, je vais juste mentionner quelque chose et je termine déjà pour cette première catéchèse audio. Et les éléments, non? Parce que aussi les sacrements, alors, les sacrements sont au nombre de sept, non? Vous savez déjà. Si vous ne savez pas, bon, il y a le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, aussi connue comme la confession, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Donc, c'est sept sacrements. Et donc, de sept sacrements, donc, c'est ça, comme on a dit, le fondement de la vie chrétienne. On va voir, il y a la naissance, la croissance, la mission des chrétiens dans ça. Non? Nous naissons, même par le baptême, on va dire, nous grandissons. Nous sommes confirmés dans la foi. Nous avons une mission dans l'Église. Tout ça à travers les sacrements, non? Nous savons qu'il y a et le mariage et l'ordre qui sont des sacrements qui nous donnent en quelque sorte une responsabilité, une mission dans l'Église du Christ, non? Dans la famille chrétienne. Alors, je vais mentionner alors deux éléments, non? Les sacrements ont des éléments propres à chaque sacrement et des éléments qui sont en commun avec les autres sacrements. Donc, dans ces sept sacrements, déjà nous avons des éléments qui sont communs à tous. Donc, on va parler de ça maintenant. Et après maintenant, dans chaque sacrement, on va voir certains éléments qui sont propres de chaque sacrement, qui va différencier selon le sacrement. Donc, en premier lieu, alors, nous avons les éléments communs à tous les sacrements. En premier lieu, commun à tous les sacrements, c'est que tous les sacrements nous donnent la grâce de Dieu. Tous les sacrements nous font participer à la vie de Dieu. Okay? Et même si je suis déjà en grâce de Dieu, ça augmente cette grâce en moi, ça augmente l'amour en moi. Donc, je grandis dans la foi. Donc, tous les sacrements ont cette particularité d'augmenter et de donner la grâce de Dieu, de transmettre la vie divine, non, en nous, ou de l'augmenter. Dans certains cas que nous l'avons déjà, ça augmente cette vie divine en nous. Deuxième élément commun, nous pouvons noter alors ce qu'on va appeler la forme et la matière du sacrement. Hein, je le dis comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont donc les paroles. Donc, on va voir que dans chaque sacrement, il y a des paroles et puis il y a des signes matériels, non? Unis au sacrement. Non? Un exemple, dans le baptême, nous avons l'eau qui est ce signe
matériels que nous touchons, que... Et puis les paroles, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a chaque sacrement, nous, comme nous allons voir plus tard dans chaque sacrement spécifiquement, mais il y a ces deux éléments, non? Il y a ces deux éléments dans chaque sacrement. Alors, ça, alors nous appelons dans cet élément matériel, non? L'élément matériel, exemple, l'eau, est sanctifié par les paroles qui sont prononcées, non? Donc, l'eau en soi, on sait que ça ne, l'eau en soi, c'est quelque chose de la vie quotidienne. Mais l'eau unie aux paroles, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sanctifie, transmet la grâce de Dieu. Comme on a dit tout à l'heure que on a dit c'est une représentation visible de la grâce invisible. Et aussi, c'est important de noter ces deux aspects, non? Ces signes sacramentels, c'est important de les noter. Pourquoi? Parce que nous sommes corps et âme. Non? Nous sommes un mystère. L'homme, c'est un mystère. Alors Dieu nous a créé corps et âme, c'est-à-dire un corps matériel et sensible et une âme immortelle. Non? Alors, notre vie est liée au corps. Donc je ne peux pas dire, bon, moi sans le corps, ça va. Non, je suis corps et âme. Donc je vais me sauver corps et âme en même temps. Ceux qui vont aller en enfer corps et âme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature en tant qu'être humain. Donc c'est aussi pour cela que Jésus qui sait, non, l'œuvre de ses mains, il ne fait pas seulement, il pouvait dire que les sacrements sont des choses invisibles, mais pour nous, ça ne devait pas nous arranger, c'est ce que les sacrements étaient purement invisibles. Non, ça ne devait pas nous arranger parce que nous, comme êtres humains, nous avons besoin de voir, de toucher, d'entendre, d'écouter. Et c'est pour cela que la liturgie est pleine de signes et de symboles. Pourquoi? Parce que nous sommes corps et âme. C'est comme ça que nous apprenons, c'est comme ça que nous entrons en intimité avec Dieu. OK? Donc, c'est pour cela aussi que Jésus a voulu que ce soit comme ça, que ce soit des signes qui sont visibles pour nous les hommes. Et que par cela, non, sanctifié bien sûr par la foi, par les paroles, et nous recevons, par la puissance même du Christ, nous recevons sa grâce, non, sa vie en nous. Bon, le troisième élément qui est commun à tous les sacrements, donc, c'est le ministre. Donc, chaque sacrement a aussi un ministre du sacrement. Chaque sacrement a un ministre. Et c'est celui qui donne le sacrement, non, ou qui célèbre le sacrement en agissant avec intention, non? Il doit avoir l'intention de donner le sacrement, c'est-à-dire, c'est pas que... Non, il doit vouloir le transmettre et aussi, il doit vouloir faire ce que fait l'Église, c'est-à-dire, quand le ministre donne le sacrement, il doit être en union avec l'Église. Sinon, au cas contraire, le sacrement n'est pas valide. S'il n'a ni l'intention de donner le sacrement et il ne veut pas faire ce que fait l'Église, c'est-à-dire sanctifier, c'est-à-dire transmettre la vie de Dieu, alors là, ou bien il va contre le magistère de l'Église, ce que l'Église demande, bon, là, le sacrement n'est pas valide. Alors, juste, je vais répéter. Les éléments communs, premièrement, tous les sacrements nous donnent la grâce de Dieu, nous transmettent cette grâce de Dieu. Deuxièmement, tous les sacrements ont des paroles, hein, et des signes assignés à ce sacrement. Donc, tous les sacrements ont un élément formel et un élément matériel. Et troisièmement, il y a le ministre, il y a un ministre pour chaque sacrement. Et puis, bon, je termine avec ça, mais les éléments qui sont propres à chaque sacrement, justement, donc, un des éléments, c'est la marque, ou bien le sceau, le caractère indélébile que donnent certains sacrements. Donc là, ce n'est pas tous les sacrements, mais certains sacrements ont une marque qui laisse une marque dans l'âme, non? Une marque indélébile.
C'est-à-dire, on ne peut pas l'effacer. Donc, dès que tu reçois ce sacrement et tu le reçois une seule fois, ça y est, non? Comme le baptême, tu deviens enfant de Dieu. Donc, cette marque, ce sceau qui reste dans l'âme, nul ne peut l'effacer. Nul ne peut l'effacer. Donc, ces sacrements, par exemple, sont le baptême, la confirmation et l'ordre. Donc, ils laissent un caractère dans l'âme que nul ne peut effacer. Et aussi, un autre élément qui est propre à certains sacrements et non pas à d'autres, c'est qu'il y a certains sacrements qui sont nécessaires pour le salut. Ce n'est pas que je dois recevoir tous les 7 sacrements pour être sauvé, non. Mais il y a certains sacrements qui sont nécessaires pour le salut. Par exemple, le baptême et la pénitence, la confession. Pourquoi? Parce qu'avec le baptême, j'entre dans la relation avec Dieu, je deviens fils de Dieu. Et puis, avec la pénitence, je demande pardon pour les fautes que j'ai commises, je demande pardon pour mes péchés. Non, je reçois le pardon de mes péchés. Donc, j'entre de nouveau dans une nouvelle relation, non, que j'avais à cause de mes péchés, j'avais perdu cette amitié avec Dieu. Bon, avec le sacrement de la confession, je peux donc retrouver encore cette amitié. Bon, c'est un peu ça. Et si vous avez des questions, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez envoyer des questions. Mais c'est un peu ça sur les sacrements en commun. En général, disons, après, nous allons voir les autres sacrements détaillés. Et important qu'on médite sur ce qu'on fait, non? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous attendons? Non? Si je suis en train de faire la catéchèse, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je crois à ce que je suis en train de faire? Bon, j'espère que ça pourra vous aider un peu à méditer. Et merci bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.